Python Noir, on se retrouve sur une petite vidéo de Hoken, un jeu sympathique de robot assez dynamique. Bon, comparé aux autres jeux de robots que j'ai pu tester. Et niveau graphisme et jouabilité, je le trouve assez sympathique. Il n'est pas super gourmand en ressources. Bon, c'est sûr que j'ai pas tout mis à fond au niveau qualité graphique. Mais ça reste quand même un beau jeu en free-to-play. Qui reste assez jouable même si on ne met pas de sous dedans. Ce qui est quand même assez rare pour des free-to-play de cette qualité. Là, je suis parti en deathmatch en équipe. Pas super nombreux sur la partie. Et la map est assez grande. Que dire sur ce petit jeu, vous avez plusieurs classes de robots, les classes light qui sont assez rapides et maniables, vous avez des classes moyennes, donc classe assaut avec un peu plus de blindage et de résistance, et ensuite vous avez les lourds. Comme son nom l'indique, sont lourds et sont assez résistants, sont vraiment faits pour venir défoncer les défenses de l'ennemi et aller au contact avec le support bien sûr des collègues, sinon ça sert à rien. Vous avez aussi dans les lights, si vous avez fait gaffe tout à l'heure, il y a un robot qui répare les autres robots en fait. C'est assez pratique d'avoir un. Un mesh comme ça dans votre équipe. Merde. Faut-il le soutenir ? Il a besoin d'aide. Ça c'est un sniper là que vous avez en face de moi. Qui fait pas mal de dégâts à longue portée. Vous avez la possibilité de vous réparer dans ce jeu, c'est assez sympathique. Bon, par contre, quand vous êtes en train de réparer, ben, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Donc, si on vous tire dessus, c'est pas terrible. Donc autant faire proche de vos collègues qui puissent vous défendre. Ah, si vous remarquez, j'ai mes armes qui choquent. Tirer au plus vos armes choquent et arriver à un certain stade, je vous montrer. Enfin, je n'ai pas vu, je ne peux plus rien faire, je peux plus utiliser mes armes tant qu'elles ne sont pas refroidies, qu'elles sont revenues à un niveau bas. Merde. Mais pour ça vous avez des capacités selon les robots que vous choisissez. Vous voyez sur le cadran
Sur le tableau de bord du robot, il y a une espèce de thermomètre comme si c'était de la température. Là ça se tient, hein. On est à 16-15. Vous avez une arme à chaque bras, si vous avez, comme vous avez pu le constater, vous avez une arme, donc je vais vous montrer vite fait, vous avez l'arme principale et l'arme secondaire, que vous pouvez ensuite changer une fois que vous avez monté en niveau votre mèche, ou mec, je sais pas exactement comment on dit. Et une fois débloqué ces armes, vous devrez les acheter avec les crédits bleus, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Je vous dirai ça plus tard. Vous avez plusieurs modules que vous pouvez installer aussi sur votre robot, que vous débloquez aussi avec de l'expérience, mais cette fois-ci avec l'expérience du pilote. Donc au plus vous jouez, au plus vous allez engranger de l'expérience et débloquer certains modules et certains accessoires secondaires comme des bombes ou des mini tourelles que vous pouvez déposer sur le champ de bataille pour vous donner un petit coup de main. Et au plus vous avez d'expérience, au plus ces modules et ces accessoires supplémentaires sont performants et résistants. 1 minute remaining. Dans la misère. On est à 24-28 et il reste une minute, même pas. Donc à mon avis ça là, elle est paumée. On va essayer de les trouver. Mais bon,
Bon, bah c'est dommage. Bon, sinon, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou carrément à vous abonner, ça me ferait plaisir. Bon, je sais que je fais pas trop de vidéos, j'ai eu un gros moment où j'en ai pas fait du tout. Et bon, j'espère en faire un petit peu plus à l'avenir. Et puis, c'est vrai que ça motiverait un petit peu s'il y avait plus de monde qui mettrait des commentaires ou un petit pouce vert. C'est toujours sympa et ça fait plaisir. Sur ce, je vous laisse et n'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos que j'ai déjà mis en ligne. Et puis, je vous dis à bientôt.